Ok, Yuval, 1000%.com. De nouveau dans la rubrique pour les activistes. Là, je crois qu'on est à la numéro 3 parce que j'en fais une tous les mois. On est donc au mois de novembre. Je dirais, au niveau de Paris, ça se présente bien. J'arrive à peu près à concilier 2-3 événements par mois, donc je fais mon taf. Parce que si c'est pas moi qui le fais, personne ne va le faire. Après, vous avez toujours des mythos qui arrivent et qui vous sortent, qui aujourd'hui tout d'un coup vont prétendre qu'ils auraient pu le faire à ma place. Mais le problème c'est qu'ils ont une année pour eux et que pendant une année, à part se tourner les pouces et se branler, ils ont rien foutu. Les beaux discours sur la culture hip-hop et la beauté, intellectualiser le truc, le discours, c'est bien beau. Moi je parle d'actes, voilà, aujourd'hui. Il faut agir. Agir, ça veut dire à la défense, la défense, je veux dire, les premiers potifs, c'est les danseurs. Alors eux aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent se branler, les mecs? Vous venez à l'événement. Vous dites jamais merci. Vous m'aidez jamais à ramasser. Les détritus, tout ce qu'il y a autour. C'est moi qui me tape tout. Il n'y a jamais un qui m'aide à ramasser. C'est très très rare. Sur les vidéos, vous en parlez jamais. Putain, je sais pas, les mecs, c'est votre culture, c'est votre mouvement. C'est pas comme si poster des messages, c'est comme me faire m'engrosser personnellement, financièrement, plus qu'il y a 0€ là-dedans. Je fais tout avec le cœur. Et pire, je fais tout seul. C'est-à-dire que l'événement, monter, la vidéo, le choix des jurys, l'inscription des danseurs, la musique, la musique est Djepumba, c'est lui qui l'a fait. Mais ramener la sono, mettre l'ambiance, s'occuper des 1000%, tout c'est moi, je fais tout de A à Z. Et je demande rien, je demande juste, je dis juste, et ça m'alerte, et je trouve ça très très grave. Là j'ai commencé à relancer, voilà. Grâce à moi, l'un de loin il reprend, voilà. Peu à peu il reprend un peu en France. Mais il n'y a pas assez de pôles différents. Je remercie réellement des mecs comme Attila, qui étaient très très décriés, mais c'est quand même un des rares en 4 ans. En 4 ans, pourtant j'ai. 4 ans. Je suis gentil. Plus que 4 ans, parce que j'ai commencé à faire mon premier 1000% en 96, 97 par là. Je veux parler d'un battle que j'ai organisé avec David Collin en 85, parce qu'on s'en fout. On va partir au moment où j'ai commencé vraiment à faire beaucoup, puisqu'on parle du Benji Dedi. Donc on est en 96 ou 97, j'en peux plus. Bref, c'est vieux. Donc. À part, il n'y a que Attila qui vient et qui ramène des coupes pour les danseurs. Tu vois, et ça fait là, on part sur 11 ans. Vous voyez. Mais non, je remercie aussi B-Boy, je crois que c'est Nathan de Nancy, Manboy, donc Manu, qui organise à Strasbourg, et il est aidé par Ramsès. Je veux dire, là, il manque le Sud. A priori, il y a Epsos qui va en faire aussi à Lille, peut-être avec le staff Up Rock. Mais c'est trop le Nord qui fait les choses. Il n'y a que un événement, il n'y a que un pôle dans le Sud, notamment grâce à Attila à Toulouse. Mais attends, dans le Sud, je sais pas. On ne vous demande pas grand-chose. On vous demande à un moment de vous dire, voilà, je fais partie de la culture hip-hop. C'est mon mouvement. J'ai envie, à un moment donné, de mettre une pierre à l'édifice. J'ai envie de laisser ma trace. J'ai envie d'être... Parce que le problème, c'est qu'il faut donner. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. Moi, les gens, ils viennent et j'en vois certains sur les forums, ils parlent sur moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le problème, la finalité, c'est que on est dans le monde du multimédia. Voilà. Et aujourd'hui, tout se voit, tout se sait et tout s'entend. Le pire, c'est qu'ils auront bon dire, ils pourront faire des pages, des tonnes, des pavés, ce qu'ils ont envie, le prochain Pulitzer, s'ils le veulent, en termes d'écrit sur ma gueule, à la dimanche, le dimanche. Qui est-ce qui vient tapiner? C'est moi. C'est moi qui vais au charbon, c'est moi qui fais les choses et c'est moi qui offre à tout le monde. Je demande rien, je demande pas un truc, je demande pas une reconnaissance incommensurable. Je m'en fous. Je demande juste un truc tout bête. Je dis postez sur les vidéos pour les danseurs, ils en ont besoin. Ils ont besoin de votre avis. Arrêtez de perdre votre énergie à parler sur moi parce que ça sert à rien. Moi maintenant, mon nom, il est tout en haut, ça fait des années que c'est moi le boss, donc on s'en bat les couilles. Vous changerez pas, c'est comme si maintenant vous voulez enlever Obama et mettre Mike Kane, c'est pas possible. Donc voilà, les choses sont établies, ça a toujours été moi le boss, même si je me suis barré pendant un an,
j'étais encore très présent, sauf que je faisais plus d'événements, j'étais un peu comme 99% de beaucoup de gens en France qui se targuent d'être des gens importants mais qu'on prend les pas une. Donc voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, eh ben, ça c'est pour les futurs activistes. Je dis pas des mecs comme Jonathan, Attila, bon, Manuel, il a fait quelques événements sur l'actif, mais on ne demande pas aux gens d'être, de savoir faire. Moi je pense que la première fois quand vous allez organiser, ben, ça va être un peu pété. Ouais, c'est vrai. Ça va pas être charmé. Mais au bout du deuxième, troisième, quatrième, les choses vont s'accélérer. Et avec un petit peu. Et allez savoir. Quand t'en as toujours un, quand il commence à mettre la main à la patte, t'as toujours des potos à lui qui l'aident. Et pourquoi pas même des stars de la région qui viennent se prêter au jeu. Et à un moment donné, l'événement, il peut commencer à avoir une gueule. Je veux dire, la Défense, c'est le lieu mythique de l'underground en France. Parce que c'est moi qui ai décidé de faire la Défense. Mais la Défense, c'est un endroit comme un autre. Il n'est pas plus aménagé pour les battles underground que n'importe quel autre endroit. Il n'a rien de spécial. C'est pas l'effigie, l'emblème de la culture hip-hop. C'est juste, je me suis dit à un moment donné, bah, soit Gare de Lyon, soit la Défense. Parce qu'il y avait trois pèlerins qui s'entraînaient à cette époque-là. J'ai dit, tiens, bah, je vais y aller. Et voilà. Maintenant, je pense que chacun, il a un endroit à lui. Chacun, il peut trouver un petit centre commercial. Parce que, là, il fait pas très beau, c'est clair qu'il faut trouver un endroit abrité. Mais quand il va commencer à faire beau, je sais pas, un mec comme Lawari de Montpellier, il pourrait refaire ce qu'il faisait avant. C'est vrai qu'à il était très activiste. Karim Astilaforce à Marseille, il pourrait faire des événements. À Bordeaux, enfin à Grenoble, on a SCAD avec son staff, il pourrait faire des événements. Même s'ils disent qu'ils en font, moi je parle d'événements gratuits. Des événements gratuits avec aucune aide de quoi que ce soit. Moi, quand je vais à la Défense, je suis un hors-la-loi de A à Z. À n'importe quel moment, on peut venir mettre les menottes et hop, embarquer. Donc, c'est vraiment fait avec le cœur. Je prends toutes les responsabilités. Tout est pour ma gueule. S'il se passe un mauvais souci ou n'importe quoi. Et je le fais. Je le fais parce que je suis un ancien. Et que c'est... Enfin, là, ça, c'est de la merde. Non, il n'y a pas d'ancien ou de nouveau. C'est bidon que ça. Parce que sinon, non, ça, c'est un discours, il est bidon. Non, je le fais parce que je suis un passionné, tout simplement. Voilà. Ancien, nouveau, tu veux le faire, t'as un petit jeune qui danse depuis 3 ans, tu mets ta main à la patte, t'as envie d'essayer, vas-y, tente, on sait jamais. Là, dernièrement, il y en a plein qui m'ont reproché de pas aider certaines personnes qui faisaient la Gare de Lyon ou ailleurs, je veux dire à Paris, mais c'est normal, c'est parce que papa il est revenu. Je veux dire, mais non, que moi je suis revenu. Au niveau de Paris, c'est bon, le truc il est pris, c'est mort. Personne prendra ma place, c'est fini. Vous aviez un an pour le prendre. Après, moi, je vais bien aider comme ça, vite fait, donner des ce que je peux. Mais je ne vais pas m'investir avec d'autres personnes alors que j'ai des fois 4 éditions par mois à la Défense à mettre en place. C'est beaucoup, 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 beaucoup de boulot. Je vais dire, il y a des gens de plus en plus, et ben, peut-être qu'ils viendront m'aider, j'en sais rien. Mais j'attends rien de personne parce que moi, je suis quelqu'un, voilà, je suis une locomotive, j'avance toujours très vite. Je dirais que tout ça c'est bien, mais au mois de mars, je vais devenir le numéro 1 mondial. S'il y en a qui m'apprécient pas, préparez-vous, parce que là, ça va être le jour. Ce jour-là, vous allez prendre un couteau et vous l'enfoncez vous-même dans votre propre cœur. Parce que je vais vous mettre une gifle dans la gueule, comme jamais de votre vie vous êtes mangé, ce jour-là. Préparez-vous. C'est-à-dire que là, déjà, au niveau où j'en suis, c'est même pas la peine, j'ai des ailes qui me poussent dans le dos. Mais ce jour-là, c'est. Il n'y a personne dans le monde qui pourra venir à côté de moi ce jour-là. Ça sera mon jour à moi. Mois de mars, vous inquiétez pas. Vous me connaissez, moi je calcule tout. Ce jour-là, ça sera ma plus grande fierté de toute ma vie en 26 ans de culture hip-hop. Peace.